Max on the beat. Basketball block party, basketball block party, man. That's what I came here to do, is to be a leader and try to win championships. And we have an opportunity to do that. So we have a really, really well-rounded team. In some games, you have to score more. I've been scoring my whole career. I've been a scorer since I was a little kid. So when we need it, I'll be there to pick us up. But most of the time, we need defense. We need ball movement. We need good possession. So that's something that I try to be a leader and set the tone. Je dirais avec humilité que n'est pas Zvezdan Mitrovic qui veut. Moi, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice en sachant pertinemment ce que le coach attend de moi et attend de l'équipe. Ça a marché globalement parce qu'on a gagné le match et ce n'était pas gagné d'avance avec trois blessés. Et une équipe de l'ASVEL qui est un petit peu sur les dents là, actuellement, puisque ils ont le portel qui les talonne, qui est allé gagner à Pau. Eux, ils partent au portel demain. Ils sont un petit peu... Ils avaient beaucoup plus à perdre que nous, en tout cas ce soir.
Well, honestly, I think that our fans were a big part of that. The energy in the gym today was awesome. It was a full gym. So you got to really honestly, I think a lot of times players say this, but it was true tonight that the fans were huge for us because they gave us that energy. They gave us that extra lift that we needed. On n'y qu'à parler du public, ce soir il est fondamental parce qu'ils nous ont vraiment soutenus, ils nous ont vraiment été, et ça c'était... Franchement, les gars dans le vestiaire, ils ont dit, le public ce soir, incroyable. Quoi. Ça a été le troisième homme, quoi. Ils ont été extraordinaires.